authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je serai avec vous pendant les deux prochaines heures. Et si vous êtes coincé dans la circulation ce matin, écoutez, prenez votre mal en patience. On est là, on va en discuter justement en première heure parce que il y a une nouvelle qui m'a vraiment fait bondir hier après-midi. C'est que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a demandé 300 nouveaux radars photo, des radars photographiques à Montréal. Il y en a seulement 250 prévus dans tout le Québec par le ministère des Transports, mais à Montréal, la mairesse a demandé au gouvernement d'en installer 300. 300 radars photographiques. Pourquoi? Juste pour nous polluer la vie plus qu'elle l'est déjà, chers amis. Si vous êtes un automobiliste, vous savez de quoi je parle. Juste ce matin, là, les gens m'écrivent pour me dire... Frontenac, ici, là, où il y a, au 4545 rue Frontenac, si vous passez devant, faites-nous coucou, parce que c'est là que nous sommes. C'est l'édifice du Journal de Montréal. Pour retourner à Verdun, mon chum, il est fin, il me conduit le matin ici, parce que faut prendre un rythme, hein. Ça y a pris 40 minutes pour retourner. Et il me disait là, que tous les gens dans leurs véhicules pestaient contre la circulation, contre tout le monde, finalement. Et c'est pour ça qu'après, on en veut à son prochain, là, celui qui est à côté, qui essaie de nous dépasser, qui met pas son clignotant, qui veut nous couper dans la ligne. Bref, tout ça, ça nous porte sur les nerfs. Puis après, on se demande pourquoi il y a de l'incivilité sur nos routes. Bien, je pense que poser la question, c'est un peu y répondre quand on regarde la circulation. 300 photoradars, radars photo, j'ai envie de dire à la mairesse, d'abord, il faudrait peut-être vraiment appeler le ministère des Transports parce qu'il n'avait pas l'air d'être au courant si on se fie à l'article qui est sorti hier. Et l'autre chose qui est sûre, c'est qu'ils ne seront pas payants parce qu'en ce moment, on ne roule pas. On ne roule pas. On n'est pas capable de rouler. Quand même, tu mettrais des radars photographiques. Je dis ça, puis en même temps, il y a des gens qui en reçoivent parce que c'est devenu une surtaxe. C'est une façon de surtaxer les automobilistes, en particulier à Montréal. Puis c'est une façon aussi de les écœurer, puis de sortir l'auto de la ville. Je pense qu'il y a derrière toutes ces demandes-là de l'administration Plante à Montréal, le désir profond, même plus caché, de sortir la voiture de la ville. Et ben moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un de ces automobilistes qui pestent, prochaines élections, bougez-vous, ben allez voter. C'est toujours ça. Si tu y vas pas, là, avec un collègue ce matin, là, on essayait de calculer finalement le nombre de gens qui avaient véritablement voté pour la mairesse de Montréal. Il n'y a pas tant de monde que ça, là. Une couple de centaines de milliers, là. Pour 4,5 millions de gens qui vivent dans la grande, qui vivent et travaillent et circulent dans la grande région métropolitaine de Montréal. Alors après, on pourrait parler de la représentation politique. Est-ce que ceux qui sont en poste nous représentent vraiment? Mais c'est un autre sujet. Je reviens au radar photo parce que je vais vous présenter tout de suite mes invités. Mais avant, je vais vous rappeler nos numéros pour nous joindre. Et j'espère que vous allez être nombreux à me témoigner de votre vécu là-dessus. 1-877-827-2346. C'est Florence, ma recherchiste fabuleuse, qui va répondre au téléphone et qui attend vos appels. Vous pouvez bien sûr nous texter. Oui, il y a Jean-François aussi, pour ceux qui nous regardent à la télé, qui vous dit bonjour. isabelle@cube.ca. Robert Poitty a déjà été ministre des Transports et connaît donc bien le sujet. Il a également été à la Sûreté du Québec chargé de la sécurité routière dans la grande région de Montréal. Il est avec moi. Bonjour, Robert. Hey, bon matin, Isabelle. Très, très bonne journée. Ça a l'air qu'il ne faut pas dire bon matin. Écoute, il paraît qu'il y a un gros débat en ce moment même sur Twitter parce que Mario Dumont, mon collègue qui me précède, dit bon matin, puis là, ça a l'air qu'il y a des gens qui ne se peuvent plus là-dessus. Écoute, on va parler de français Il me semble que c'est en français. C'est pas mal mieux que royalement. Mais qu'est-ce que tu veux? Alors, merci d'être là, Robert. Maître Éric Lamontagne, avocat spécialisé en défense d'infractions routières. Alors, il défend les automobilistes. Bonjour, merci d'être là, Maître Lamontagne. Bonjour Isabelle. Bon, je vais avoir votre opinion là-dessus tous les deux. Robert Poitty, je disais que vous aviez déjà été en charge de la sécurité routière à la Sûreté du Québec pour la grande région de Montréal. Quand on regarde le niveau de... Je vais reprendre la une du Journal de Montréal. Quel bordel! Le niveau de bordel dans la circulation et le fait qu'aujourd'hui, la mairesse, son intention, c'est de rajouter des radars photographiques comme mode de coercition là, pour dire aux gens...
vous pouvez plus rouler à une certaine vitesse à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert? Ben, j'ai mal à ma ville, Isabelle. Je suis Montréalais depuis toujours. Je ne le suis plus actuellement. Quand je suis revenu vers Montréal en partant de Québec, écoutez, je regarde encore, mais je souffre de ma ville de voir la façon dont ça se passe. Pour les photoradars, je dois vous dire que lorsque j'étais à Sûreté du Québec, responsable de l'ensemble de ce que je vous disais, j'ai fait partie des tables de décision justement pour décider à quel endroit et pourquoi on mettait ça. Donc, on appelle ça des sites accidentogènes, où il y a des accidents. Et quand j'ai été au gouvernement, comme ministre, évidemment, je suis intervenu directement pour faire retirer le photoradar de la 15 Sud avant le pont Champlain, qui était le photoradar le plus payant et qui ne correspondait absolument pas à la réponse des sites accidentogènes, c'est-à-dire que la majorité des billets se donnaient évidemment entre le soir, donc 11h et le matin, et où il y avait les accidents matériels par choc à par choc, ça se produisait le matin entre 6h et 9h à l'heure de pointe et entre 5h et 7h à l'heure de pointe. Ça ne fonctionnait pas. C'était le plus payant. Vous n'avez pas idée comment ça a été difficile de faire retirer. J'ai réussi juste avant de quitter une soirée de transport. Bref, il faut pas que ce soit des postes de payage et la stratégie d'utiliser les écoles. Je suis tout à fait d'accord de dire qu'on doit protéger les sites des écoles. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu des panneaux où ça indique votre vitesse là et ça clignote et ça dit que vous êtes au-dessus de la vitesse. Je connais personne qui appuie pas sur le frein quand il s'aperçoit à quelle vitesse il roule. Complètement. Et l'autre chose, ouais. Et l'autre chose, elle va, l'administration va mettre des 30 km à peu près partout à Montréal. Donc, ça veut dire qu'à 31 km, même si vous n'êtes pas dans une zone scolaire, vous allez avoir un billet. Je pense que si l'objectif, c'est faire des postes de payage ou ajouter une taxe, ben, que l'administration le fasse. Qu'on ne passe pas de façon déguisée. Et l'autre chose, ben, c'est l'excessif. Vous l'avez dit, Isabelle, tantôt. Le gouvernement a dit, ben, on en a commandé 250. Montréal en demande 300. Je veux dire, qu'est-ce qui va pas, là? Et puis l'autre chose, vous savez que, puis l'avocat va sûrement pouvoir le dire, il faut que les appareils soient acceptés sur le plan légal, que la preuve soit hors de tout doute. Donc, il y a encore des éversements d'un poste de police, là, des années 75-80, parce que ça a été accepté au fédéral pour la preuve. C'est hors de tout doute que c'est efficace puis que c'est approuvé. Donc, les photoradars, c'est le même exercice. Sinon, ben, il y a une problématique et là, les gens vont aller plaider puis vont tous être acquittés. Mmh. Fait que je pense qu'on est en avant d'une idée d'administration qui veut faire des postes de payage. Maintenant, pour les écoles, je suis tout à fait d'accord qu'on intervienne dans le secteur des écoles. Mais il y a d'autres façons que de mettre des radars photos dans ces coins-là. On va y revenir avec Maître Lamontagne. Mais avant, je veux donner la parole à une auditrice, Nadia, qui nous appelle au 1-877-827-2346. Bonjour, Nadia. Nadia, vous êtes bien là? Ah, on a un petit problème avec la ligne de Nadia. Oui, excusez-moi. Ah, vous êtes là. Allez-y, Nadia. Je sais que vous êtes en représentante en alimentation et ça ralentit votre travail, là, toutes ces mesures. Des radars photos, vous avez déjà été prise avec ça? Non, j'ai jamais été prise avec... De toute façon, on peut pas rouler assez vite pour se faire prendre avec ça. On n'avance pas à pas. À tous les jours, c'est l'enfer me rendre d'un client à l'autre que je fasse la rue Ontario, Mont-Royal, Notre-Dame. Comme ce matin, j'ai fait un client au 3800 Ontario. Ouais. Premièrement, c'est l'enfer de se rendre à ce magasin-là parce que toutes les rues adjacentes sont bloquées. Donc, faire des détours, passer par des petites ruelles pour accéder au magasin. Je suis partie de là pour me rendre au 865 Sainte-Catherine. Ça m'a pris 45 minutes. J'ai essayé de changer de rue. Waze me faisait tourner à droite, tourner à gauche. C'est rouge partout. Ça n'avance pas. C'est normalement, ça me prendrait peut-être 10-15 minutes me rendre à mon prochain client. Puis là, c'est l'enfer. C'est pareil quand je fais Saint-Joseph pour me rendre à Laurier. Ils me font zigzaguer, faire un paquet de détours. C'est... Pour tous les représentants, tout le monde qui travaille sur la route maintenant se rend dans les commerces, c'est l'enfer. C'est terrible, ça fait que vous en faites beaucoup moins que vous pouviez faire, fait qu'il y a un impact direct sur la productivité aussi. Là. Absolument, absolument.
au lieu de me prendre peut-être un 10-15 minutes, me rendre à mon client pour travailler, ça me prend 45 minutes. C'est qu'au lieu de faire peut-être 9 clients par jour, je vais en faire 6. Ouais, tout à fait. Ben voilà, c'est ça. Hey Nadia, merci beaucoup. Bon courage, bon courage. Maître Éric Lamontagne est là. Je disais tout à l'heure que vous êtes spécialisé justement dans la défense des automobilistes là, qui en ont là, des étiquettes les uns après les autres. Faut pas s'étonner parce que comme Nadia le rappelait, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, quand elle a annoncé là, cette demande de radar photo hier, elle a dit « Il nous en faut des radars photos pour l'aspect coercitif. On est prêt, on va en donner des tickets. » Moi, quand j'entends le maire ou la mairesse d'une ville dire ça, que ce soit à Montréal ou ailleurs, de toute façon, je n'ai pas entendu ça d'ailleurs, ça a l'air que c'est juste à Montréal, « On va en donner des tickets. » Il y a comme une... Je sens comme un... J'allais dire le mot « haine » de l'automobilisme, mais est-ce que le mot est trop fort? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression là, il y a comme quelque chose de pas fin dans la façon de dire « check-toi bien, je vais t'en donner un ticket ». Éric Lamontagne, vous faites ça quotidiennement, défendre des gens, là. Vous êtes d'accord, je pense, avec l'avis de Robert Poitier qui disait que ça doit être uniquement installé à des endroits où il y a des accidents, les fameux endroits accidentogènes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est comme une machine à cash là, pour la ville. Oui, c'est sûr que j'ai également fait le saut quand j'ai lu ce commentaire-là. Pour être honnête, drôle de façon de s'exprimer. Hein. Avec toutes les légendes urbaines qu'on a entendues de tout ce qui était des trappes à tickets, etc., et toutes ces choses-là. Et là, elle nous lance un commentaire comme ça qui nous donne, on va se le dire, un caractère très lucratif à la discussion, là, juste avec cette petite portion-là. Moi, j'ai l'impression, je vois un peu comme la conduite dans une ville comme ça, comme une chorégraphie. C'est important que tout se soit, autrement dit, chorégraphié. Les lumières pour les passagers, pour les piétons, pardon. Après ça, les véhicules, tout est chorégraphié. Cependant, c'est impossible d'avoir une chorégraphie à Montréal. C'est impossible parce que quand on va à Montréal, la plupart du temps, on est constamment inondé de signalisations, de situations potentielles, de bixi d'un côté, des trottinettes électriques de l'autre, des véhicules. Ça devient très, très difficile. Et là, quand j'entends qu'on veut rajouter 300 radars photo, bon, on a quoi, 186 écoles, je pense, dans la région de Montréal? Les autres s'en vont où? Il en exact. Reste quand même une bonne 120. Oui, mais ça sera, c'est terrible. Je me dis, mais il va y en avoir partout, là. Fait que partout, là, on va se faire prendre en photo dès qu'on va dépasser la limite. Tout à l'heure, Robert Poitier disait, il donnait l'exemple des zones où c'est 30 km maintenant. Ben, c'est tout le plateau Mont-Royal, de plus en plus de quartiers résidentiels. Mais plus largement, je pense qu'on veut que Montréal devienne une ville où on roule pas vite. Là. Je pense que quand on roule, si on roule en voiture, qu'on est chanceux encore. Mais est-ce qu'il y a une espèce de zone? Les gens me demandent ça, puis je me pose souvent la question. Mettons que ça dit au-delà de 30, là, on va avoir une contravention. Est-ce qu'il y a une espèce de zone où le radar photographique comprend? Est-ce qu'il nous flash à 30 vraiment, ou à 40, ou à 50? Ou il y a une petite permission, là, tu peux dépasser de 4, 5, 10 kilomètres peut-être, Éric Lamontagne, est-ce que vous savez ça? Ça, c'est un secret, ça, Isabelle, on peut pas savoir ça. Alors, donc, écoute, je t'accueille. Hey, s'il y a un policier, ouais, est-ce qu'on le sait ou on le sait pas? Y a-t-il une... Ben, ça veut dire que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on avait une espèce de tampon de 10 kilomètres au même titre qui est appliqué quand on est dans une situation avec un policier qui nous intercepte. Mais là, ce n'est pas des règles écrites, ça, là. Si on veut l'appliquer, on décide de l'appliquer à la lettre, on l'applique à la lettre, ils vont régler le radar pour ça, et ça va être ce qu'on va avoir, mais là, encore là, arrêter des gens entre 31 et 35, au cas de la sécurité routière, il n'y a pas grand conséquence, je veux bien croire que les amendes sont doublées pendant la période scolaire, sauf qu'il en demeure pas moins que, est-ce qu'on sert vraiment l'objectif à 31 km, pas 32 km, honnêtement, je ne crois pas. Ouais, mais même, tu vois, quelqu'un qui me dit là qui s'est fait flasher entre guillemets, donc il s'est fait intercepter par on lui a pris sa photo. Il roulait à 69 km sur la rue Sherbrooke. Le feu était vert, il y avait personne qui traversait, il y avait pas de danger apparemment, me dit l'automobiliste, mais la zone était 50. Sur Sherbrooke là, près du stade olympique, c'est 50. Et 50 là, c'est la vitesse sur le pont Jacques-Cartier. Et j'ai fait un test dernièrement. C'est pas beaucoup, là, 50, quand vous y pensez. Tu sais, 50 à 69. Est-ce que à 60? Tu sais, l'idée, moi, je me dis, Eric, puis Robert aussi là-dessus.
Je me dis, l'idée, c'est quand même d'éviter les dangers publics. Les gens qui roulent trop vite, qui font des excès de vitesse, les mauvais conducteurs. Puis c'est de leur dire, ralentis tes ardeurs. Mais quand tu roules à 69 sur la rue Sherbrooke, près du stade, là, est-ce que tu as un danger public? Ben, je vais me permettre de répondre, si Robert me le permet. Je pense que la problématique actuelle, là, est-ce qu'elle est vraiment... Il y a la vitesse d'un côté, mais entre vous et moi, là, avec la manière dont a été mise en place la signalisation pour les radars photo, On s'entend que, à part un contexte particulier comme Montréal, où il y a multiplication de pancartes et on peut s'adonner à ne pas le voir, théoriquement, là, quand on ne voit pas des pancartes comme ça, il y a des très, très bonnes chances que la distraction au volant ait un rôle à jouer aussi. Puis un automobiliste qui est toujours en train de regarder partout, pour plein de raisons et pas juste pour des raisons de distraction de cellulaire, il va probablement manquer ces choses-là et à ce moment-là, peut-être manquer aussi une zone qui vient de passer de 50 à 30. Exact. Donc, je pense qu'il y a un méchant ménage à faire à Montréal par rapport à ça, avant de penser, évidemment, comme je disais tantôt, c'est très important de comprendre qu'on souhaite qu'il n'y ait pas d'accident, on souhaite que les gens respectent les limites, sauf qu'il faut prendre des bons moyens pour le faire. Là. Complètement. Tu parles de signalisation. Écoute, ça n'a juste pas de bon sens, la signalisation à Montréal. Des fois, il faut que tu sortes de ton auto, que tu regardes. Tu te dis, qu'est-ce que je comprends du panneau? T'es arrêté, imagine en roulant. Oui, exact, imagine en roulant. Robert Poëti, là-dessus? Le grand secret, il n'est pas un très grand secret. Puis moi, je me suis toujours opposé à ne pas faire expliquer comment ça fonctionne un photoradar. Si je vous l'explique, parce qu'on on dit les policiers en général sur les voies rapides ont une certaine tolérance. Oui, c'est ça, la tolérance, oui. Et je pense aussi, puis aussi ça dépend des conditions de la circulation, des conditions de la température, si c'est l'hiver, c'est glissant, il pleut. Donc le policier a une compréhension de la sécurité routière, puis il y a un pouvoir de décision à donner le billet ou pas. Ça c'est légal, il a le droit de pas émettre un billet. Ce qu'il a pas le droit de faire, c'est d'abaisser la vitesse, de vous dire, ben vous alliez 60, je vais vous le faire à 50, ça va vous coûter moins cher. Ça c'est légal. Mais de ne pas donner le billet, capable de faire ça, il n'y a pas de problème. Sur les voies rapides, lorsque vous avez les photoradars, il y a une moyenne qui est prise par le photoradar, qui est enregistrée. Donc, si vous êtes dans une zone de 100 km, si les véhicules, un certain nombre de véhicules passent à 104, 100, 500, 809, 91, 100, 110, il y a une moyenne qui est prise. Et c'est à partir de là que ceux qui sont supérieurs à la moyenne, ils ont un billet. Maintenant, quand les gens se disent, puis je suis un de ceux-là, je suis comme tout le monde, sur la voie rapide, vous roulez 118, 119, une belle température, pas de circulation, en théorie, en bas de 120 km, en théorie, j'explique, certains policiers vont avoir cette tolérance-là. Mais le photoradar, dépendamment du nombre de personnes qui vont passer à 119, s'il y en a eu très peu, puis il y en a eu quelques-uns qui ont excédé 115, ben il va avoir le billet. Fait que le contexte, là, tu l'as dit, Isabelle, tantôt, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Voilà. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher de l'argent. Ben, comme d'habitude, qui trouvent des façons, on les connaît bien, donc ils vont surtaxer encore les automobilistes, les plaques, l'immatriculation, les résidents de Montréal. C'est déjà surtaxé toute catégorie. On va encore aller là. Et là, je rejoins ce que j'avais pas pensé que tu aurais dit ouvertement. Est-ce qu'il y a un objectif de moins ou ne plus avoir de voiture à Montréal? Ben moi, je pense que c'est ça, clairement. Là. Ben, je t'ai entendu tantôt. Parfois, on se pose la question. Et c'est là le problème. Pour les écoles, je le redis encore une fois, et même dans d'autres secteurs, lorsque tu vois un panneau, Isabelle, qui dit la vitesse est 50, et puis quand toi, t'arrives, t'es à 54 ou 55 ou 56, et ça se met à clignoter rouge, clic, 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 danger, qu'est-ce que tu fais? T'appuies sur le frein. Inévitablement, tu ralentis. Ça fonctionne, ces panneaux-là. Ce que tu dis, Robert, c'est que si on voulait vraiment... Ça fonctionne. On n'est pas obligé de surtaxer les gens, les automobilistes, non. Avec des radars photo. Ouais. On a voilà. René, qui est un chauffeur de la STM. Il est dans l'ouest de l'île. Bonjour, René. Salut, Isabelle. Vous travaillez à Montréal parce que vous êtes chauffeur d'autobus à la STM. Quand vous entendez la mairesse dire « On va en donner des tickets », c'est quoi votre réaction, René? Ben, moi, je trouve premièrement qu'il devrait commencer à s'occuper du vrai problème aussi, parce que c'est beau écœurer les automobilistes, mais
Tu sais, juste donner un exemple, Isabelle, moi, je suis, tu sais, on respecte la limite avec les autobus. Oui. On roule, tu sais, dans les zones de 30, on roule 30, mais on se fait dépasser par les vélos puis les trottinettes électriques. Fait que les autres, ils ont jamais d'étiquette, par exemple. Parce que quand les policiers font du radar, ils donnent pas de contravention aux autres parce qu'ils font des interventions rapport aux cyclistes ou aux trottinettes. Fait que c'est ça le rapport, là. Maintenant, c'est vouloir écœurer, c'est beau, mais... Pensez-vous que le véritable objectif, René, c'est de sortir les voitures de la ville? 200% oui. Ouais, hein? Aïe, aïe, aïe. Mais vous, comment vous faites pour ne pas vous... pour pas être frustré au volant quand vous chauffeur d'autobus, vous êtes sur la route tout le temps? Ah, ben, on est comme tout le monde. Des fois, les fils se touchent aussi. ben, tu sais, c'est sûr, à un moment donné, qu'on n'a pas le choix d'essayer de prendre notre gaz égal, comme c'est qu'on ça, dit. Parce ouais. On vit la même chose que tout le monde. On se fait couper aussi, le monde pas clignotant. Ah ouais. Les automobilistes, ils veulent pas laisser passer non plus les autobus parce que ça prend de la place aussi. Ouais, ouais. Mais sauf que tout le monde se frustre, puis là c'est là que ça roule plus vite ou ça coupe, la rage à poigne. Mais voilà, c'est ça. Je pense que ça augmente finalement la rage au volant. On l'excuse pas, là. Faut que tout le monde, comme vous dites, prenne son gaz égal. Mais ouais. On peut comprendre que parfois les gens soient excédés. Merci beaucoup de votre appel. Sylvain, bonjour. Merci. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Isabelle. Vous êtes contre les radars photos. Vous habitez à la Chine près de Lavin et vous dites c'est une vraie piste de course, surtout les soirs. Oui, en fait, c'est ça. Là. Je pense que c'est sûr que la Ville de Montréal cherche des moyens d'aller chercher des revenus de plus. Là. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils vont en installer un peu partout. Je suis effectivement contre. Moi, je suis constamment sur la route. Évidemment, c'est toujours le comportement des automobilistes là, qui me tannent là, de la façon que les gens se comportent. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules, de plus en plus de véhicules qui sont modifiés, font du bruit. Ouais. Sur la 20, là, constamment, là, les soirs, là, c'est vraiment une piste de course. Puis je pense que c'est 80, là, et les gens pourraient vous le témoigner. Ils ont mis un mur anti-son, puis ça donne absolument rien. On entend les motocyclettes, les voitures modifiées. Ça, c'est un autre problème qu'il va falloir qu'ils adressent à un certain moment donné, parce que c'est vraiment un irritant. Puis ça, ben, je pense que vous avez raison. Merci, Sylvain. Je pense que Sylvain a raison quand ils nous disent, Robert Poëty, Éric Lamontagne, Maître Lamontagne, quand il dit, là, il y a des gens qui coursent, hein, l'expression consacrée, monde qui se course là, sur l'autoroute, qui font la course et qui prennent l'autoroute comme pour une piste de course. Souvent, les soirs, on l'entend, il y a des gens, là, ils font la compétition sur l'autoroute. Pour ceux-là, c'est correct, mettez-en. Moi, je me dis d'accord, ceux-là, ça fait partie de ceux que je nommais en début d'émission. Ceux là, qui roulent sans bon sens, qui sont souvent cause de grands excès de vitesse, ceux-là, oui, il faut les contrôler. Mais même à 100 sur les autoroutes, sincèrement, vous allez en Europe, là, en France, en Allemagne, en Suisse, n'importe où, c'est pas 100 la limite. Là. Vous pouvez aller jusqu'à 130. Moi, je pense que les gens savent mieux conduire. Leurs routes sont en meilleur état aussi. Il y a des radars photos, mais ils vous préviennent aussi de façon à ce que vous soyez très au courant que vous entrez dans une zone de radar photo. Et la zone est là justement comme contrôle régulateur de la circulation et surtout de la vitesse. Vous n'avez pas des radars photos à Paris. Maître Éric Lamontagne là-dessus, là, des gens effectivement là, qui vous appellent puis qui disent bon ben là j'ai roulé à 119, 120 puis je me suis fait attraper par un radar photo. Oui, ça arrive effectivement. La plupart du temps aussi, ce qu'il faut pas oublier là dans un contexte de ville, là, dans celui de Montréal, quand on est dans une situation où la circulation se fait mal. Ben, on sait tout le monde que si on est en retard le matin, on a beau partir d'avance, on peut pas contrôler le trafic et la durée de temps qu'on va passer dans le trafic. Alors, les gens ont tout le temps l'impression d'être pressés, pressés, pressés. Et c'est dans sortant de ce bouchon-là souvent
qu'il y a des situations qui peuvent arriver. Admettons hypothétiquement qu'on décide de mettre un radar photo tout de suite à la sortie d'un endroit qui est connu comme étant un endroit où il y a énormément de circulation. Évidemment, là, ça va devenir une vache à lait, comme on dit. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire l'objectif en arrière de tout ça. Tout le monde sont pour la vertu sur la route. Il faut se poser une question sérieuse. Pour quelle raison on met un radar photo à quel endroit? Et ça, je pense que si on veut vraiment l'implanter, ce serait une très bonne idée d'être très transparent sur la raison des endroits qui ont été choisis pour donner une impression aux gens, du moins, que ça a été fait pour les bonnes raisons. Mais à la lumière de celui qui était le plus payant, excuse-moi le mot, plus payant, 15 Sud, comme je t'ai dit, les accidents étaient des accidents matériels par choc, qui se produisaient entre 6 heures le matin et 9 heures, et les vitesses étaient prises en dehors de ces heures-là. Les billets étaient donnés 90-95% en dehors des heures de pointe. Alors là, qu'est-ce que ça dit, ça? Donc, et là, la sous-question. D'accord. Je vous ai dit, je ne me repose pas aux écoles. En juillet, est-ce qu'il va fonctionner? Eh bien, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas les journées pédagogiques. Non, ben là, ça va être difficile. Mais la période où il n'y a pas d'école. Oui. Non, mais complètement. Ouais. 30 à 35 kilomètres, vous allez avoir un billet. Ça veut, il y a 180 temps, jours d'école. Ça veut dire, le reste de l'année, là, tu vas, c'est sûr. C'est des machines à cash, les amis. C'est clair que c'est ça. Pas. Il faut pas ça. Et la meilleure preuve que ça, la meilleure preuve de ça, et Maître La Montagne peut en témoigner, c'est qu'il n'y a pas de perte de points d'inaptitude, là. C'est juste des... Non, c'est pas de points d'inaptitude. Non, vous avez raison. Puis, lorsqu'on a eu du succès dans certains, ben, tiens, on pense aux autobus scolaires, on pense aux corridors de sécurité pour les vélos. Il y en a qui vont être contents là, de m'entendre, mais c'est moi qui ai travaillé sur le corridor de sécurité pour les vélos. Ouais. C'est important, mais lorsqu'il y a des points de démérite, là, ça, vous pouvez pas les acheter. Ça, vous pouvez pas en avoir. Les gens, effectivement, lorsqu'ils sont pénalisés par des points de démérite, ben, alors, tandis que les photoradars, peu importe la vitesse que vous allez, il y en a pas. L'amende va augmenter. Pas de points de démérite. Voilà. Je suis désolé, là, mais vous n'atteignez pas un objectif vraiment tant qu'à moi. Que l'argent. Merci, Robert. Maître La Montagne, vous vous demandez d'ailleurs pourquoi, si on veut vraiment être cohérent, il n'y a pas de points d'inaptitude perdus. Ben, j'ai toujours eu le même discours, Isabelle, par rapport à ça, c'est-à-dire ça donne une espèce de justice à deux vitesses où la personne qui a la poche profonde va payer son amende, n'aura jamais de conséquences et va-t-elle vraiment changer son comportement? Donc, ça, c'est sûr, mais d'ailleurs, pour répondre à l'interrogation tantôt de M. Poëti, quand on a des radars photos sur des zones de construction, même s'il n'y a pas de travaux, ils laissent là pareil. Ben, alors, ils vont faire probablement la même chose avec les écoles. Mais oui, complètement. C'est sûr qu'on va les avoir toute l'année. Et l'autre chose, les gens m'écrivent, là, des radars photos dans des zones avec des cônes où il n'y a aucun travailleur de la construction qui travaille. Ça, on l'a vu beaucoup cet été. Moi, je me souviens, je suis partie à un moment donné des Laurentides, puis sur quasiment 50 kilomètres, c'était marqué, il y avait un panneau radar photo, j'en ai vu un. J'ai vu une couple de panneaux qui disaient 50. Zone de construction, tu sais que tu te fais attraper. Normalement, tu perds le double des points. Mais si c'est un radar photo, il n'y a pas de points. Tu sais la logique, là. Écoute, ça a occupé mon esprit pendant les 50 kilomètres, Eric. Au moins, je t'ai occupé. Mais je me disais, voyons, mais c'est-tu quoi le pire? C'est qu'il y a sûrement des gens qui se sont fait attraper par le radar photo. Moi, je me suis mis à 50. Je me suis dit, coudonc, ça a été long, je t'avoue, là. Mais je voyais plein de gens qui me dépassaient. Plein de gens me dépassaient. Alors, c'est sûr que les gens... Puis d'ailleurs, là-dessus, j'ai le nombre de contraventions depuis l'apparition des rues des rues à 30 km à Montréal. Hein. Je parlais du plateau tout à l'heure, mais il n'y a pas que dans le plateau. Il y a également d'autres rues, entre autres dans Chilaga-Maisonneuve, dans Rosemont, La Salle, Villeray. Il y a eu, entre 21 et 23, dans ces rues-là, juste à Rosemont, près de 22 000 contraventions de données. Là. Ça fait beaucoup. Là. Ça fait 22 000 personnes qui ont dépassé le 30 km. Après, dans des quartiers résidentiels, on peut comprendre, mais est-ce que c'est toujours là ou c'est sur c'est sur Rosemont? T'sais? C'est ça le problème. On a Roger qui m'écrit, il passe 6 mois en Floride. Et près des écoles le matin, il dit on doit baisser sa vitesse. Mais ça, je pense que c'est tout à fait normal. Roger, d'ailleurs, est avec moi en ligne. Bonjour, Roger.
Oui, bonjour, j'aimerais intervenir. Parce allez-y. Que c'est important. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on se casse la tête à savoir quoi faire près des écoles. Ouais. Et aux États-Unis, c'est simple comme bonjour. Le matin et le soir, il y a des lumières qui flashent aux heures que les enfants sortent ou aux heures que les enfants rentrent. Puis je vous jure, là, c'est respecté. Là, vous pouvez même pas savoir pourquoi on n'est pas plus en dessin que les autres. Tu mets des flasheurs à 16 heures, comme M. Poiti disait tantôt au mois de juillet. Il n'y a pas besoin de flasheurs ou de tout. Il n'y en a pas d'ailleurs. La solution est super simple, elle n'est pas coûteuse. Puis, je vous garantis que le monde, ils vont s'habituer à ça. Oups, ça flash. Écoute, ça ralentit, là. C'est immédiat. Oui, oui, bien, c'est un très, très bon exemple. C'est très, très. C'est un véritable bon exemple que vous donnez, Roger. Merci beaucoup de nous appeler. Et je pense, Robert Poiti, vous avez été ministre des Transports, vous le savez. On focus beaucoup sur Montréal. En tout cas, la mairesse de Montréal haït les automobilistes. Ça, je pense que. Saviez-vous quoi? Je vais vous dire un truc. Moi, j'y croyais pas tant au début. Je me disais, on en met beaucoup sur le dos de la mairesse. On lui reproche beaucoup de choses, entre autres d'être anti-voiture. Puis je me disais, on exagère. Puis je voulais laisser la chance aux coureuses, à la coureuse, c'est le cas de le dire. Je voulais vraiment lui donner le bénéfice du doute. Et plus ça va, et plus je trouve qu'effectivement, là, ben, je dois donner raison à tous ceux qui disent que c'est une anti-char. Puis c'est vraiment malheureux, je trouve. Parce que pour une fois qu'on avait une femme à un poste quand même important, puis je comprends, moi, tout, t'sais, l'écologie, l'environnement, le fait qu'on est dans une transition énergétique, qu'éventuellement, il va vraiment falloir qu'on soit moins dans nos voitures. En attendant, c'est ça quand même. Et notre économie est une économie mobile. C'est une économie de transport. On doit transporter des biens, des personnes, des denrées. Ça n'arrêtera pas demain matin. Fait que, puis c'est Robert, tout à l'heure, vous parliez de la 15 Sud, Robert. C'est un endroit qui est très, très, très fréquenté aussi par les camions. Je veux dire, toute l'industrie du camionnage aussi sur nos routes. Là, j'ai pas eu de camionneur, mais j'en ai un là, qui m'écrit puis qui me dit « ça a juste plus de bon sens ». Nous aussi, les camions, on transporte des marchandises, mais ça s'applique à nous aussi. Puis c'est vrai, les camions puis les véhicules. Là, le camion est un véhicule. Donc, si on veut diminuer le nombre de véhicules à Montréal, bon, on parle de Montréal ici ce matin, il faut qu'on augmente la possibilité du transport collectif. Et je suis responsable, je suis pas mal à l'aise. C'est une partie de ma fierté d'avoir passé en politique, parce que quand je suis arrivé au transport, on était 6 milliards dans le rouge quand on a pris le pouvoir à ce moment-là. On m'a dit clairement, le projet du Parti québécois d'un train ou de quelque chose d'électrique, Rive-Sud, Montréal, aéroport, oublie ça. On n'a pas une scène pour ça. On n'est pas capable de faire ça. J'ai dit, ben voyons donc, on va construire le pont Champlain bientôt. Il faut le prévoir, parce qu'après ça, si c'est pas prévu dans la structure, on va frapper un mur, là. Et ben c'est lors d'une rencontre, d'un souper gastronomique philanthropique pour une bonne cause, au musée McCord, que j'ai croisé M. Sébia, qui est venu me parler. Puis en parlant avec M. Sébia, ben lui, il m'a dit, puis, qu'est-ce que vous allez faire avec le pont Champlain pour le transport collectif? J'ai dit, écoutez, moi, j'ai beaucoup d'idées, M. Sébia, j'ai pas une scène. On est dans le trou financièrement au Québec. Ouais. Alors, savez-vous ce qu'il m'a dit? Ben, il dit, moi, j'ai le droit. Non, il dit, moi, j'ai de l'argent, mais j'ai pas le droit d'investir en infrastructure. Ça, c'est la vraie histoire, Isabelle. Ah, ouais? J'ai dit, ah oui, vous avez pas le droit. Il dit, non, quand ils ont fait la loi pour la caisse de dépôt, à ce moment-là, ils avaient inscrit de pas mettre d'argent dans les infrastructures parce que ça pouvait être risqué. Ça, faut reculer plusieurs années. C'est plus le cas de la caisse aujourd'hui. Non, parce que c'est des PQ infra maintenant. Puis bon, Robert, alors, je dois absolument. Attends, Robert Poiti, reste une minute parce qu'il y a Maître Éric Lamontagne. C'est quand même un avocat qui doit défendre des gens. Et là, justement, il doit aller à la cour. Ah, joli. Ouais, merci. Je remercie beaucoup quand même. Merci, Maître Lamontagne, d'avoir pris le temps. Je dois appeler. Bon, les gens qui nous écoutent, si ça vous intéresse, c'est ça qu'il fait dans la vie, contravention expert. Je pense que tu n'as pas fini d'avoir des clients, je pense, Éric. Ah non, de la manière que la situation est, effectivement, mais on espère un moment où ça deviendra plus plaisant de venir en voiture à Montréal. Mais petite dernière question, vite, les gens demandent, c'est-tu possible de négocier quand même quand on se fait prendre par un radar photo, là? Est-ce qu'on peut négocier? Il y a des négociations qui se font, mais il ne faut pas oublier que c'est un appareil qui prend tout ça. Alors donc, souvent, la poursuite se repose sur les constatations de l'appareil. Est-ce qu'on peut dire qu'il était mal calibré? Est-ce qu'on a des arguments?
la calibration de l'appareil a été un problème dans le passé, mais s'ils ont travaillé beaucoup là-dessus, je vous dirais que ce n'est qu'une seule question qui peut être soulevée, c'est la calibration de l'appareil, parce que pour le reste, l'appareil fait son travail. Ouais. Elle prend une photo quand elle capte une vitesse. Puis le fait de dire, c'était pas moi qui roulais vite, c'était le gars d'à côté, mais c'est vous qui, mais on m'a pris en photo, mais c'était pas moi. Ça, ça marche-tu, ça? Oui, le tribunal l'a tellement entendu souvent, celle-là. Puis c'était pas moi dans l'auto, ça, ça marche plus non plus, hein, c'est ça? Non, malheureusement, ça prend des arguments plus solides. C'est ça. Est-ce qu'il y en a des arguments? Les arguments sur la calibration, mais les radars photo, la question est toujours un peu la même. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que, à quelque part, c'est mon opinion. Il n'y a pas de point d'inaptitude parce que si la personne a à prendre une décision, je vais me défendre, je ne vais pas me défendre. C'est ouais. certain que la question des points d'inaptitude vient jouer et finalement, il n'y a pas c'est de ça. Point, il m'a payé l'amende. Tu sais. C'est ça. Hey, Maître Lamontagne, merci beaucoup. Maître Éric Lamontagne est avocat spécialisé en défense plaisir. D'infractions routières chez Contravention Expert. Robert, as-tu d'autres anecdotes comme ça avec qui sont juteuses? En fait, c'est que Michael Sebia dit « j'ai pas le droit parce que la loi était faite comme ça ». J'ai dit « OK, M. Sebia, si moi je la change, la loi, parce que ça a l'air, je suis législateur, vous mettez combien là-dedans ?» Il a dit « entre 5 et 6 milliards ». Alors le milliards? Lendemain, moi j'ai... Wow. Oui, parce que c'est ça qui a coûté, vraiment, on va se le dire. Là. Alors, donc, moi j'ai appelé au bureau du PM le lendemain, je disais « hey, je suis allé souper avec un gars hier, puis il est prêt à mettre entre 5 et 6 milliards dans le rame ». Il dit « voyons, Robert, arrête ». Mais, alors, c'est moi, avec Carlos Létard, qui avons co-signé la loi pour permettre à la Caisse de dépôt de faire le REM. Si on n'avait pas fait ça, Isabelle, le REM ne serait pas là aujourd'hui. Mm. Alors, explique-moi comment se fait-il que cette administration-là, à Montréal, a refusé, évidemment, le REM de l'Est. Ouais. Parce que ça, c'était pas beau, là, les choses de ciment dans la ville. Je suis désolé, là. Mais si on veut baisser les voitures, il faut permettre à des gens de prendre du transport collectif qui est adapté, qui est efficace, qui est fiable. Mais c'est vrai que c'était pas beau, par exemple, le ciment, les ciments surélevés, c'était pas une bonne idée. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire pour l'arrière de l'autre. Il faut faire le REM de l'Est. En tout cas, il faut faire quelque chose pour les gens qui vivent et travaillent dans l'Est. Ouais. On aurait pu trouver des artistes, on aurait pu trouver des choses pour embellir cette structure-là. On aurait pu, mais là, il l'a pas. Il l'aura pas. Puis garde, là, le métro de l'Est, la ligne bleue, là, ça va-tu finir un jour? Moi, il y a 35 ministres qui l'ont annoncé, là, ça. Ouais, mais ça, garde ta salive pour la fois où on va débattre, puis ça sera bientôt. On va parler de transport en commun, puis des déficiences de notre transport en commun, parce que ça, c'est un autre enjeu. Si on dit aux gens, vous pouvez plus circuler en voiture, il faut qu'on ait un service de transport en commun, autobus, métro efficace, puis c'est loin d'être le cas. Robert Poitier, merci beaucoup. Merci, au revoir. On va s'arrêter ici, très courte pause, vous revenez tout de suite après, parce que je parlais à Jean Knotel. Est-ce la fin de nos centres d'achat? Voulez-vous avoir la réponse? Restez là.